Vous suivez le journal de Prime Stevie Béné, voici les grandes lignes. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 17 juillet 2024 sous la présidence effective du chef de l'État. Vous suivrez dans un instant le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement. Ouverture des morgues ou funérariums au Béné. Les exigences imposées dans le nouveau décret n'avantagent pas les citoyens. 64e anniversaire d'indépendance du Bénin, les préparatifs vont bon train sur tout le territoire national. Bonsoir chers téléspectateurs, comme annoncé, le gouvernement s'est réuni ce mercredi en Conseil des ministres. Au cours de ce conclave gouvernemental, plusieurs décisions d'intérêt national ont été prises par les membres du gouvernement. Suivez cet extrait du condensé des mesures normatives. S'agissant des mesures normatives, en point 1, création de l'Agence béninoise de protection civile, approbation de ses statuts et détachement auprès d'elle des personnels du Groupement national des sapeurs-pompiers. L'Agence nationale de protection civile et le Groupement national des sapeurs-pompiers sont deux structures concourant toutes à la mise en œuvre de la politique de l'État en matière de protection civile. La cartographie des différents aléas, la connaissance des risques quotidiens et l'anticipation sur les nouveaux risques constituent des défis qui nécessitent un travail en synergie. Une réforme du secteur de la protection civile s'est avérée indispensable pour plus d'efficacité avec la mutualisation des moyens et des ressources. L'objectif visé est de permettre aux équipes de s'affranchir de la posture de gestionnaire des risques et catastrophes pour s'inscrire dans la dynamique d'être des acteurs de réduction des risques de catastrophes. C'est pourquoi le Conseil a autorisé la création de l'Agence béninoise de protection civile et approuvé ses statuts. Elle est placée sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Pour rendre efficace cette réforme, il a été décidé du détachement auprès de cette agence des personnels du Groupement national des sapeurs-pompiers. Ceux-ci continueront de bénéficier de leurs droits à l'avancement et à la retraite conformément aux tests de leur corporation d'origine, mais seront soumis aux règles propres à l'agence pour ce qui concerne leur emploi. Enfin, un plan de recrutement progressif sera mis en œuvre pour doter la nouvelle structure d'un personnel dédié, qualifié et apte à affronter les défis émergents, notamment les risques liés au développement technologique et industriel. En point 2, création du fonds d'investissement et de garantie des petites et moyennes entreprises et approbation de ses statuts. Il s'agit d'un établissement financier à caractère bancaire qui bénéficie d'une dotation initiale de 5 milliards de francs CFA. Il vient compléter le dispositif de promotion et de développement des micro, petites et moyennes entreprises ou industries. La finalité est de leur faciliter l'accès au crédit, d'une part, et d'apporter aux banques et institutions de microfinance les solutions en matière de couverture des risques qu'elles prennent d'autre part. Aussi, importe-t-il de souligner qu'un tel mécanisme de garantie des crédits destiné aux PME-PMI contribue notablement à pallier la principale défaillance qui handicape leur développement, en l'occurrence le manque de sûreté. Dès lors, les garanties de crédit en permettant le partage du risque avec les prêteurs, offre un accès au financement à des entreprises ne disposant pas d'un historique de crédit suffisant. Au titre d'autres mesures normatives, le décret portant approbation des statuts de l'Agence nationale de l'aviation civile a été également adopté. Le chef du régiment militaire
était au pouvoir au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré s'en est pris jeudi 11 juillet 2024 à ses voisins ivoiriens et béninois, les accusant de vouloir déstabiliser son pays dans un contexte de tensions diplomatiques en Afrique de l'Ouest. C'était l'un des sujets de l'émission Décryptage où Stanislas a reçu Stéphane Arenou-Rossou, rédacteur en chef de L'Autre Vision. Suivez. Cette déclaration du président du Burkina Faso, pour moi, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce que on ne peut pas comprendre qu'un pays avec qui, a priori, nous n'avons pas de problème, le Bénin n'a pas de problème particulier, le Bénin n'est pas en conflit avec le Burkina Faso, il n'y a pas d'antécédent majeur entre les deux pays. On ne comprend pas pourquoi le président Ibrahim Traoré puisse prendre le devant et faire des déclarations aussi graves, des déclarations que moi je traite d'appel à l'insurrection. C'est une incitation à la violence et à la haine gratuite et qui ne se fonde sur aucune base. On a comme l'impression que après leur sommet, le sommet de l'AES, et que après leur entretien, ils aient pris la décision de confier le sale job aux plus jeunes. Parce que n'oublions pas que dans un passé récent, les anciens chefs d'État ont amorcé quand même une sorte de négociations pour qu'il y ait dégel de la crise qu'il y a entre le Bénin et le Niger. Donc peut-être que le président nigérien Tchani, voyant la parole qu'il a déjà donnée aux anciens présidents, ne pouvant plus vraiment revenir à la charge, a dû confier le sale boulot au plus jeune président Burkinabé pour qu'il vienne faire des déclarations aussi alarmantes qui ne reposent sur rien. Disposer d'une base militaire répond quand même à un certain nombre de procédures, que le Bénin n'a jamais ouverte ou bien enclenchée. Donc, on ne comprend pas, on ne comprend pas pourquoi cette position ou cette perception complotiste persiste toujours au niveau du Niger et maintenant, pas passe, mais avec le Burkina Faso. Ça ne fait pas sérieux. Et quand on est un chef de l'État, quand on veut faire des déclarations, je pense qu'on prend la mesure de la situation. Le 1er août 2024 se déroulera à la place de l'Amazone la célébration des 64 ans d'indépendance du Bénin. Citoyens et gouvernants se préparent à accueillir les festivités. À cette occasion, une équipe de Prime News TV Bénin fait une descente sur les lieux. En 1960-2024, 64 ans de liberté, de démocratie et d'indépendance. Ce 1er août 2024, sur toute l'étendue du territoire national, les Béninois célébreront la 64e année d'indépendance. À cet effet, les lieux emblématiques du pays se métamorphosent progressivement. Parmi ces lieux, on peut citer l'Étoile Rouge, les Grands Carrefours, la place de la Marina, la place de l'Amazon, ainsi que les voies goudronnées et les rues pavées. S'inscrivant dans l'enthousiasme de cette réjouissance, la place de l'Amazon ne fait pas exception aux festivités. Elle subit donc déjà une transformation digne de ce nom. Déjà équipé des sièges peints aux couleurs nationales, le fait représentant l'espoir du renouveau démocratique, le jaune incitant à conserver les plus riches trésors du pays et le rouge évoquant le courage des aïeux. Des dispositifs pour la tribune officielle y ont également été installés. Ce lieu spécial incarne la fierté du Bénin. En cette année, il est important de reconnaître et de célébrer les progrès accomplis par notre nation. Depuis 1960, le Bénin a franchi de nombreuses étapes vers la liberté, la démocratie et le développement.
les réformes économiques, les avancées en matière d'éducation et de santé, ainsi que les efforts pour la préservation de notre patrimoine culturel, témoignent de la détermination et du courage de notre peuple. Dignes fils et filles du Bénin, tous ensemble debout pour lever haut le flambeau de notre nation. Célébrons notre indépendance avec fierté et détermination, en gardant à l'esprit les valeurs qui ont forgé notre identité et notre unité. Vive l'indépendance, vive le Bénin. Au Bénin, le gouvernement a pris un décret pour réglementer le secteur funéraire. Ce texte impose des exigences pour l'ouverture d'un funérarium. Mais cela convient-il aux familles? Quelques citoyens se prononcent sur le sujet. Je suis un peu contre la décision du gouvernement parce que aujourd'hui, à voir ce qui se passe dans le pays, la charité de la vie, la mise en vente, tout ça là, bon, moi, je préconise que le gouvernement peut associer la population pour recueillir les avis avant de prendre cette décision. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Maintenant, et on donne encore une décision, vraiment c'est dur. Il faudrait déjà que le gouvernement comprenne les difficultés financières des familles éplorées. Ce n'est pas du tout facile d'organiser un enterrement, les obsèques, les funérailles, informer la famille éloignée. Donc au mieux, il faudrait augmenter le délai ou alors carrément laisser la famille gérer. Après, on peut aussi comprendre le gouvernement parce que des corps qui restent là pendant 2, 3, 4 mois, il y en aurait d'autres qui viendraient et on ne pourrait pas les stocker. Donc on peut à la fois comprendre le gouvernement, mais lui demander de faire preuve de compréhension. Cette décision qui devait sortir en ce qui concerne les funérailles, c'est une décision salutaire. Très salutaire. Ça dit normalement, 30 jours, c'est déjà trop. C'est déjà trop même. Combien de temps? Non, moi, 4 jours, on l'enterre. Parce que bien avant l'arrivée du truc là, si tu perds un parent, tu l'enterres dans 4 jours. Si c'est trop. Ou bien même le lendemain. Et c'est après un an, 2 ans à voir qu'on fait le programme de faire, comment dirais-je, la cérémonie de cette personne qui est décédée. Maintenant, la peur des âmes mortes. Bon, et on peut faire des dépenses subites, vraiment des dépenses, ça dit ça, donc des soucis, c'est que ça nous approuvit. Tiakou et Fior, elle a créé 2 millions, 3 millions, 800 000, 600 000. Mais bien, 200 000 francs comme ça, trop de gens qui ont mis en Ibé à moi, tout le monde a fait quoi, tout le monde a ouvert, tout le monde a nous, on a créé, bon, quoi ce soit, on a dit que pour perdre, nous, tout le monde a fait quoi, donc, quoi, on a fait ça, 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 on vient à un dépôt ouvert et le tour mais sous pas tout grand le tour. La page sport à présent, c'est officiel, Andreas Runtonti débarque en Angleterre. Le club de la 2e division anglaise Burnley FC a officialisé la signature de l'international béninois. Le Guépard a paraffé un contrat de 4 ans avec le club Championship. Lors de la saison écoulée, le joueur a inscrit 16 buts en Ligue 2. Runtonti devient ainsi le premier joueur béninois à signer avec le Burnley Football Club. Premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF 2024-2025. Coton FC a démarré les préparatifs du premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF quelques jours après le tirage au sort. Les poulains du coach Victor Svinka ont effectué la séance de reprise ce mercredi 17 juillet 2024 sur la pelouse du stade Omnisport de Ouidah. Pour le compte du premier tour,
préliminaire de la Ligue des champions de la CAF, le champion du Bénin sera face à l'AS Douane, champion du Burkina Faso. Le match aller aura lieu le 16 au 18 août 2024. Le match comptant pour le retour aura lieu une semaine plus tard. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.